Je vais vous lire le début du sketch Potrouche, tiré de 12 vengeances et autres sketchs de Hanok Levin. Chez Madame Potrouche, la maîtresse d'école. Madame Potrouche est en pyjama. On frappe à la porte. Entrez. Entre Madame Marcus. Bonsoir, Madame Potrouche? Elle-même. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci, je suis désolée de vous déranger à une heure aussi tardive. Aucun problème. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci. Je ne vais pas vous embêter longtemps, Madame Potrouche. Je suis juste venue clarifier un petit détail au sujet de mon fils, Elia Marcus. Vous l'avez comme élève. Ah, vous êtes la mère d'Eliaou Marcus. Enchantée. Eliaou est un excellent élève. Merci. Le problème, c'est que depuis un certain temps, il revient à la maison et me raconte des choses auxquelles j'ai un peu de mal à croire. Eliaou? Mais c'est un enfant tellement... Ben oui, justement. Moi aussi, au début, quand il a commencé à me débiter ses élucubrations, j'étais très étonnée. Hein. Je n'ose même pas vous les répéter. Tenez. Pas plus tard qu'hier, par exemple, il est revenu à la maison et il m'a assuré dur comme fer que vous, Madame Potrouche, vous leur aviez dit en cours de géographie que la Terre était plate. C'est drôle, non? Enfin, c'est-à-dire, c'est drôle qu'un enfant soit capable d'affabuler à ce point. Enfin, quoi qu'il en soit, ça ne peut pas être vous, Madame Potrouche, qui leur avez dit une chose pareille. Si, c'est moi. Pardon? Ah, c'est de l'humour. Pourquoi de l'humour? Pourquoi de l'humour? C'est-à-dire que vous leur avez effectivement dit que la Terre était plate? Oui.